Le métier de décorateur est en vogue et je reçois souvent des questions concernant les logiciels que j'utilise dans le cadre de mon activité professionnelle. J'ai donc eu envie de vous proposer un bref exposé des différents logiciels qui existent sur le marché pour tenter de répondre au maximum et du mieux que je peux à vos questions. Alors impossible de tous vous les présenter car il en existe tellement qu'il faudrait une vidéo de 3 heures pour tous les passer en revue. J'ai donc sélectionné ceux qui me semblaient les plus connus et donc les plus utilisés aussi bien par des professionnels que par des particuliers. Cette vidéo s'adresse en priorité aux décorateurs déjà en place et aux étudiants qui cherchent un logiciel avec lequel travailler. En tant que pro, je sais que les écoles ne forment pas toutes au logiciel ou très partiellement, et qu'il est difficile pour un futur décorateur de se former. La plupart du temps, il faut s'auto-former en parallèle de ses études, et cette démarche n'est pas toujours aisée. Je vous proposerai donc dans un deuxième temps une autre vidéo pour vous parler des formations sur les logiciels que l'on peut trouver sur Internet et qui permettent une prise en main rapide et efficace. Clairement, aujourd'hui, la DAO dans notre métier, c'est indispensable. Alors, sauf pour ceux bien sûr qui maîtrisent le dessin à la main et qui se passeront de DAO, mais sinon, il faut apprendre les logiciels pour exercer ce métier. C'est la seule façon de présenter vos idées et vos projets à vos clients de manière propre et claire. De plus, vous serez amené à réaliser des plans 2D ainsi que des plans techniques de coupe et électriques. Présenter ces types de plans proprement avec un logiciel, c'est quand même plus pro qu'à la main. Alors attention, je précise toutefois qu'être capable de dessiner à la main ses projets, c'est également un indispensable pour faire ce métier. Car si jamais vos logiciels vous lâchent, vous serez obligé de sortir vos feutres. Donc entraînez-vous un peu chaque jour à dessiner pour garder la main. Autre chose, je ne vais pas vous parler de SketchUp ici, car je préfère y consacrer une vidéo dédiée. C'est pour moi le logiciel indispensable en déco et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Donc j'y reviendrai plus tard. Mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous en avez. Il convient de distinguer deux types de logiciels dans le domaine de l'architecture et de la décoration. En effet, un professionnel utilise généralement deux logiciels pour créer ses visuels. Les logiciels de modélisation 3D, tels que SketchUp, Revit et AutoCAD, et les logiciels de rendu 3D, qui permettent de créer des images photoréalistes. Aujourd'hui, je vous présente 5 logiciels qui peuvent être utilisés pour du photoréalisme. Certains sont gratuits et d'autres payants, et qui sont indépendants de SketchUp, donc qui s'utilisent seuls, c'est-à-dire qu'ils permettent de modéliser et de faire des rendus photoréalistes. Ils sont donc pratiques pour débuter quand on ne maîtrise pas SketchUp. Pour commencer, peu importe les logiciels que vous choisissez, il faudra être à l'aise en les utilisant. Bien sûr, pour être à l'aise, il faudra de la patience, car ces logiciels sont puissants et avec des possibilités presque infinies. Dans la plupart des cas, il est préférable d'opter pour un logiciel de décoration intérieure payant, ayant les fonctionnalités indispensables à la concrétisation de vos projets, que ce soit pour de la mise en page ou du rendu 3D. Les programmes gratuits, plus accessibles partout sur le web, seront moins performants et les possibilités seront limitées. CozyCasa. Ce logiciel d'architecture et de décoration intérieure permet de construire et modéliser sa maison en 3D en 3 temps. Après enregistrement du projet pour lequel il faut être inscrit, le projet est facilement partageable par mail ou sur les réseaux sociaux. Premièrement, on dessine les plans, on trace les différentes pièces, on ajoute un étage. Deuxièmement, on meuble. Le logiciel possède une base de données relativement importante en matière de mobilier, donc on peut modifier la taille ou les couleurs. Et troisièmement, on décore, on change la couleur des murs et des sols. Pour la visualisation 3D, un petit avatar se promène dans la maison, il suffit de le déplacer pour modifier le point de vue. Il est également possible de voir à travers ses yeux. Les plus pour ce logiciel. Les fenêtres d'aide, qui s'ouvrent à chaque fois que l'on fait une action, sont très claires et précises. On notera aussi la possibilité très pratique de dessiner les escaliers au lieu d'intégrer une pièce non modifiable. La prise en main est très rapide. Et en moins, le rendu 3D, les couleurs, qui auraient pu être un peu plus réalistes, et la possibilité d'intégrer davantage d'accessoires de décoration auraient été appréciées. Ce logiciel est gratuit, disponible en ligne et sans téléchargement. Auparavant appelé MySketcher, Cedar Architect est une application web qui vous permet de concevoir votre propre maison en 3D. Cette application propose de donner vie à vos projets d'architecture, d'aménagement et de décoration à travers une suite d'étapes simples et intuitives. Les tracés, la pose des ouvrants, l'installation du toit, l'aménagement extérieur, le choix des produits, des revêtements et enfin le rendu final. Cedar Architect est un logiciel d'architecture et de décoration intérieure plutôt simple à utiliser, assez pour vous permettre de concevoir votre maison, même si vous n'êtes pas du tout familier avec la modélisation 3D. Ce logiciel offre la possibilité de visualiser le projet sous différentes formes.
un plan en 2D détaillé avec l'ensemble des éléments d'aménagement et de décoration, des visuels 3D en haute définition, ainsi qu'une visite virtuelle 360 degrés qui vous plonge au cœur de votre projet selon les différents points de vue. Il est extrêmement facile à prendre en main grâce à un menu précis et complet. Chaque étape du projet est intuitive et permet d'avancer dans la réalisation de son projet, en étant toujours guidé par les menus latéraux. Les rendus proposés par le logiciel sont très réalistes. On retrouve des éléments détaillés tant au niveau des tracés que de l'aménagement et de la décoration, ainsi que de nombreux paramètres de personnalisation. Orientation du produit dans l'espace, personnalisation des dimensions, des couleurs et des motifs des différents éléments. Le logiciel répond à nos attentes niveau déco. On retrouve notamment un grand choix de couleurs et de motifs tous plus tendances les uns que les autres. Il est même possible de choisir l'assortiment des coussins avec les plaids et d'apposer un seul lait de papier peint sur un mur. Cedar Architect est une application web franchement correcte en tout point de vue. Par contre, il est évident que les fonctions les plus poussées de logiciel nécessitent d'y consacrer un peu de temps. Pas besoin de tutoriel, mais plutôt d'apprendre à manipuler le logiciel et de tester certains paramètres. Aussi, je vous recommande d'utiliser une souris pour rendre la visualisation du projet et la navigation sur l'outil beaucoup plus fluide. Vous pouvez essayer Cedar Project pendant 15 jours gratuitement et réaliser 3 projets. Ensuite, vous payez mensuellement et pouvez recharger votre compte. Entre visuel HD et print, en nombre de caméras pour les vues à 360 degrés en fonction de vos besoins. C'est un logiciel payant, comptez environ 59€ hors taxes par mois. Sweetum 3D est un logiciel open source qui peut être soit téléchargé sur ordinateur ou utilisé en ligne. Il est compatible Mac, PC, Linux et Solaris. L'interface de Sweetum 3D n'est pas son point le plus fort, mais le logiciel reste néanmoins facile à utiliser. Il contient une grande bibliothèque d'objets 3D libres qui peuvent être importés dans le logiciel pour faire les simulations. Escaliers, tables, chaises, fauteuils, BD, fer à repasser, tout y est. Et vous pouvez changer la taille des objets. Pour le reste, il fonctionne comme les autres logiciels. Vous créez les murs, puis les ouvertures, le premier étage, et ainsi de suite. La spécificité de Sweetum 3D est que vous pouvez visualiser le résultat en 3D ou vue aérienne de ce que vous dessinez en 2D, simultanément dans deux fenêtres séparées. Et vous pouvez dessiner des murs courbes. Vous pouvez créer des photos et aussi des vidéos de votre projet, et même changer la couleur pour simuler le rendu selon des heures différentes du jour ou de la nuit. Vous pouvez aussi ajouter des plugins pour augmenter les fonctionnalités du logiciel. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que Sweetum 3D existe en deux versions. Une version libre, qui inclut 100 meubles et 26 textures, et une version payante, qui contient 1211 meubles et 418 textures. L'application est disponible en ligne, tout comme elle peut être téléchargée. Vous devez avoir votre installation Java à jour pour l'utiliser en ligne. Si l'interface n'est clairement pas le point fort de Sweetum 3D, celui-ci se rattrape fortement au niveau des tutoriels. On peut très facilement changer la taille et l'orientation de différents éléments sur le plan 2D. D'abord déstabilisant, les deux écrans permettent de ne pas avoir sans cesse à basculer entre la vue 2D et la 3D. Ce qui peut prendre un certain temps de chargement entre les autres logiciels. Sweetum peut également exporter le projet dans de nombreux formats, PDG, PNG, OBG ou SVG. Et enfin, il offre la possibilité d'importer énormément d'objets de bibliothèques depuis le site web pour pouvoir les intégrer dans la modélisation. À mon avis, ce logiciel est plutôt destiné aux non-professionnels qui souhaitent modéliser leur maison, pour la simple raison que les fonctionnalités du logiciel sont trop limitées et que les rendus 3D ne sont pas de très bonne qualité. Si vous êtes un professionnel, tournez-vous à mon sens vers des logiciels plus performants et offrant des rendus de qualité professionnelle. C'est un logiciel gratuit, en ligne ou en téléchargement, et compatible avec Windows, Mac et Linux. Space Designer 3D. Ce logiciel est caractérisé par sa facilité d'utilisation. Il a été conçu de manière à être manipulé par tout le monde, qu'il soit professionnel ou novice en la matière. Le principal objectif de ce logiciel est de permettre à n'importe qui de réaliser l'aménagement de son lieu de vie sans l'aide d'un professionnel. Avec cet outil, il est également possible de réaliser un plan, de l'aménager et de le visionner en 3D. La technologie Smart Walls guide l'utilisateur dans la réalisation des dessins sur les murs qui sont entièrement personnalisables. Elle permet aussi de créer automatiquement des pièces lorsque les murs forment un espace clos. Le plancher peut également être créé de manière automatique. Afin de meubler les espaces créés, ce logiciel est aussi livré avec un catalogue d'objets. La modification des dimensions ainsi que le changement de couleur des objets est possible.
Le catalogue des objets est sujet à une mise à jour quotidienne. Il est en constante évolution et par-dessus tout, les utilisateurs ont la possibilité de proposer eux-mêmes les mobiliers qu'ils désirent voir intégrés au logiciel. Space Designer 3D propose d'abord à l'internaute de visualiser un projet existant. Il faut, pour démarrer un projet personnel, s'inscrire, c'est gratuit et rapide. Et la modélisation se découpe ensuite en trois étapes. Tracer les murs, meubler, puis décorer. L'interface se découpe en deux parties. Le plan 2D et la sidebar contenant un onglet catalogue, construction, pièce, cuisine, et un onglet pièce, création et aménagement d'une pièce, et un onglet notes qui permet d'écrire des commentaires. La luminosité donne un côté plus réaliste à la pièce, mais il est un peu difficile de se promener dans la modélisation 3D. La prise en main de ce logiciel d'architecture est plutôt rapide et son interface est très simple et très intuitive. Mais c'est tout de même un con pour un logiciel d'architecture car il est très difficile de faire des murs droits. Il faut un certain doigté pour y parvenir. L'aide et les tutoriels vidéo sont entièrement en anglais, le logiciel est gratuit, Space Designer 3D est une application en ligne. Humbyny est un logiciel en ligne, il n'y a pas besoin de téléchargement. C'est un service en ligne d'aménagement d'espace en 3D développé par le groupe Dassault Systèmes SE. À l'instar de SketchUp Free, vous pourrez l'utiliser à partir de n'importe quelle plateforme. Pour peu que vous disposiez d'un navigateur et d'une connexion à Internet. Humbyny est ce qu'on appelle généralement un shareware, un logiciel qui peut être utilisé gratuitement, généralement, durant une certaine période ou avec des fonctionnalités limitées. Il existe une version d'essai gratuite qui vous permet de réaliser vos trois premiers projets en sachant que la version gratuite contient moins de fonctionnalités. L'un des avantages de Humbyny est qu'il est très facile à prendre en main. Il existe une communauté dont vous pouvez visualiser les projets afin de vous inspirer pour le vôtre. Il fonctionne avec des onglets sur lesquels il suffit de cliquer pour sélectionner les murs, les portes, les fenêtres. Vous pouvez aussi modifier les dimensions et l'orientation. La navigation est également facile car tout le mobilier est rangé dans des catégories différentes. Salle de bain, cuisine, salon et est très facile à trouver. Le logiciel contient un bon choix de meubles et de coloris et en plus ce sont des objets réels que vous pouvez acheter. Vous pourrez bien sûr ajouter un escalier pour monter à l'étage supérieur. La bibliothèque d'objets est cependant un peu moins fournie en ce qui concerne les escaliers, mais vous en trouverez un, c'est certain. Dès que vous passez à l'habillage et à l'ameublement, Humbyny passe de lui-même en 3D. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez simuler que vous êtes dans le projet, ce qui s'appelle les vues à la première personne. Vous pouvez vous promener dans votre projet et vous rendre réellement compte de comment il sera quand il sera réalisé. La seule limite en termes de design est qu'il n'est pas possible de dessiner des murs courbes. En dehors du service payant qu'il propose, les développeurs tirent en partie leurs revenus d'entreprise qui payent pour avoir leurs produits sur la plateforme dans l'espoir que d'éventuels designers ou architectes d'intérieur tombent dessus et les aiment assez pour les intégrer dans leur projet, cette fois pour de vrai. Le gros point fort de ce logiciel est le passage du rendu 2D au rendu 3D qui est assez rapide. Le design est minimal, l'interface est épurée et intuitive. Il y a peu de boutons ou de menus, tout est très simple à utiliser et à trouver. Humbyny permet de générer des vues à 360 degrés compatibles avec la VR. Il y a possibilité d'acheter le mobilier pour de vrai, comme précisé en introduction, les objets fournis dans la bibliothèque sont des produits qui existent réellement. Au cas où vous voudriez acheter les articles que vous avez intégrés dans votre aménagement, il y a une petite liste pratique d'achat créée pour vous. C'est quand même un point super positif pour établir vos listes shopping pour vos clients et c'est le seul logiciel qui le propose. Pour enregistrer votre projet, vous devez vous inscrire avec Facebook ou via votre email. Les projets sont enregistrés en ligne, ce qui signifie que vous ne pouvez pas enregistrer vos projets hors ligne. Vos trois premiers projets sont gratuits, ensuite vous devez payer, et par contre, gros point négatif, il est impossible de dessiner des murs courbes. Pour conclure, sachez qu'il existe de nombreux logiciels sur le marché et qu'il est difficile de s'y retrouver. Personnellement, avant de choisir votre logiciel, je vous conseille surtout de bien étudier votre projet. Cherchez-vous un logiciel dans un cadre professionnel ou êtes-vous juste un particulier qui souhaite modéliser sa maison? Car vous irez plutôt vers tel ou tel logiciel selon vos besoins. Petite parenthèse pour les professionnels, mais si vous êtes un décorateur ou un futur décorateur, pensez que les rendus que vous obtiendrez avec votre logiciel seront présentés à vos clients et qu'ils doivent donc être impeccables. Penchez-vous sur des logiciels qui permettent la création de belles images avec une belle luminosité et d'une qualité professionnelle. D'abord parce que cela contribuera à votre crédibilité en tant que pro, ensuite car la concurrence est rude dans ce secteur et aujourd'hui la plupart des professionnels sont capables de produire de très belles images et donc de très beaux dossiers et books, et mine de rien les clients y sont sensibles, voire parfois connaisseurs. C'est un métier où l'image est importante si vous voulez vendre vos services, donc ne travaillez qu'avec des outils qui offrent une bonne qualité de rendu pour rester compétitif.
Sélectionnez également un logiciel qui ne vous bride pas dans la modélisation de votre projet et sélection d'objets, et surtout où vous pouvez tirer plus de 3 clichés sans mettre la main au portefeuille. Enfin, l'apprentissage d'un logiciel prend du temps, voire des années. Soyez donc patient et persévérant, car c'est en les utilisant régulièrement qu'on finit par les maîtriser. Ne soyez donc pas découragé devant l'interface parfois complexe de votre logiciel, mais soyez curieux et manipulez-le sans hésiter, car c'est comme cela qu'on apprend. Dans cette vidéo, je ne vous parle pas du logiciel que j'utilise pour mes rendus, pour la bonne raison que j'ai mis plusieurs années pour le trouver et beaucoup de temps et de travail pour le manipuler. Il s'agit donc de mon petit secret de décoratrice, à vous maintenant de vous construire.